dévoilé en 2017, l'idéal signe un nouveau tournant pour le groupe américain ACCO en matière de récolte. Partie d'une feuille blanche, cette grande machine monocolore est le fruit d'une collaboration des différents bureaux d'études du groupe. Elle est venue pour la première fois faire ses armes en Europe cet été, et notamment en France, avant d'être livrée pour la campagne 2019 sous les labels Fendt, Massey Ferguson et Challenger selon les marchés. Retrouvons Mathieu Pugin pour un tour d'horizon de ses principaux aspects techniques et pratiques. Donc cette nouvelle moissonneuse batteuse a été présentée à l'Agritechnica en 2017, en novembre 2017 en Allemagne. Et en 2018, nous faisons donc une tournée de présentation en France avec différents points de chute et différents concessionnaires pour une livraison pour premier client sur l'année de récolte 2019. Après, au niveau du projet, donc c'est un projet qui est parti d'une feuille blanche, un projet qui a débuté en 2011 avec les premières machines, les premiers prototypes qui ont travaillé de 2013 dans les champs de par le monde entier. Il y a eu énormément de développement qui était fait autour de cette machine afin d'obtenir des solutions qui soient assez innovantes et qui permettent de se démarquer avec ce nouveau produit. Donc ce projet est composé de 14 modules. On va appeler un module, par exemple, ça pourrait être le convoyeur, un deuxième module pourrait être les rotors, un autre module, ça sera le caisson nettoyage, etc., etc. Donc ces différents modules ont été développés dans différents bureaux d'études, c'est-à-dire que nous avons plusieurs centres d'excellence de par le monde entier au sein du groupe ACCO, et chacun a amené son expérience sur cette machine. Par exemple, un exemple qui va être le plus parlant pour nos clients Fendt, ça va être Marktoberdorf. Marktoberdorf où sont développés nos tracteurs. Ils se sont occupés du développement de tout ce qui était architecture du terminal et des menus, etc. À l'intérieur du terminal pour la convivialité. Et ensuite, ces différents modules ont été assemblés comme un puzzle par deux bureaux d'études qui étaient Bregenz en Italie, là où sont produites les machines pour l'Europe, et à Eston aux États-Unis. Il faut savoir également que ces machines seront produites sur trois sites. Donc le premier qui va nous concerner, nous, ça sera Bregenz, donc qui va produire pour toute la partie européenne. Eston produira pour tout le marché nord-américain et normalement pour l'Australie. Et enfin, Santa Rosa au Brésil produira pour le marché sud-américain. Donc cette même machine pourrait être produite dans trois usines et ce sera exactement la même conception. Si on va un peu plus dans le détail, dans le cahier des charges qui a été établi, un des fils conducteurs aurait été la largeur de la machine. C'est-à-dire que les gens voulaient la machine la plus étroite possible pour aller sur la route sans avoir besoin d'avoir une escorte pour ouvrir le convoi. Donc là, nous sommes partis sur un caisson qui va faire 1m40. On va le voir après, ce caisson d'1m40 va nous offrira différentes solutions qui seront assez innovantes. On peut commencer par les rotors déjà. Les rotors sont très longs sur cette machine. Ils vont faire donc 4,85 m de long. Ce rotor est composé de différentes zones. Tout à l'avant, une zone d'alimentation. Puis, vous allez le voir ici, une zone de battage qui va faire 1,22 m. Et derrière, une zone de séparation qui, elle, s'occupera donc d'extraire le reste des grains qui ne seront pas séparés à ce niveau-là. Si je viens et qu'on fait un zoom sur l'intérieur de la machine, on voit ici qu'on est sur un système de battage qui ressemble à un batteur de machine conventionnelle, machine à square. Vous avez en dessous des corbeilles, type donc contre-batteur, donc ici monté pour faire de la céréale, qu'on va pouvoir changer, adapter en fonction de la culture. Et évidemment, depuis la cabine, on viendra régler un écartement. Donc ici, on retrouve un système des organes de battage qui ressemble à de la machine conventionnelle. Donc un battage qui sera effectif, mais surtout qui permettra de garder la paille la plus intacte possible. Sur la partie séparation, elle, ça sera des doigts qui vont donc s'occuper d'extraire les 20 à 30% restants du grain qui ne seront pas échappés sur la partie avant. Au niveau des rotors, donc sur une machine, une Ideal 7, on sera sur du monorotor, c'est-à-dire qu'on prend le rotor de droite de la machine, on le met au centre. Et sur une 8 et une 9, on sera sur du birotor. Dans les deux cas, la machine est alimentée avec ce qu'on va appeler un rotor feeder, donc qui lui sera en charge d'alimenter le rotor et de recentrer les flux à l'intérieur, donc sur la zone d'entrée. Ce rotor feeder est entré mécaniquement, il est en lien direct avec les rotors, donc il tourne à 70% du régime,
Et ça va donc également permettre déjà la simplicité du réglage, puisque le chauffeur n'a pas besoin de toucher à ça. Il touche uniquement au régime des rotors et à l'avant, ça va venir se régler automatiquement. Et également, ce régime de 70%, c'est le meilleur rapport qui permet de conserver la paille, d'avoir une alimentation qui soit toujours régulière et également en conditions humides. Ensuite, autre innovation sur notre machine, ça va être le Ideal Balance. Alors l'Ideal Balance, qu'est-ce que c'est? Et bien justement, par rapport au caisson, nous avons un caisson qui est 1,40 m de large, mais qui va être très long. Donc la problématique était de savoir comment alimenter ce caisson sur toute sa largeur, et toute sa longueur. Donc c'est un système qui est très simple. C'est ce qu'on va retrouver en dessous des rotors. Donc on aura ces tables de réception en deux parties. La première table de réception ici fait donc pile poil la surface de battage. Et vous aurez derrière qu'on aperçoit ici, qui elle sera en charge de réceptionner le grain sous la partie séparation. Donc cette première table ici va réceptionner le grain, va le recentrer tout à l'avant de la machine et va venir le déposer sur la table de préparation. Donc on a une table de préparation qui est très longue et ça va permettre donc de bénéficier de toute cette longueur pour avoir le tri densimétrique le plus parfait possible. Ensuite, sur la partie arrière, là, les 20 à 30% résiduels de grains, donc résiduels, on va les prendre, on va l'emmener sur le premier tiers de la table de préparation et on va le répartir sur les côtés. Donc, c'est-à-dire que ce qui va arriver au niveau des grilles, ça sera parfaitement réparti sur toute la largeur. Ce système également, dans les tests en laboratoire qui ont été menés, ils se sont rendus compte qu'on avait un système qui était, et au niveau des performances en dévers, aussi efficace que certains systèmes avec des compensations de dévers sur les caissons de nettoyage. L'avantage ici, c'est qu'on est sans éléments, on va dire, on ne vient pas rajouter des éléments en plus, donc on ne vient pas compliquer la cinématique de la machine. Un des critères essentiels, c'était la simplicité de la machine pour simplifier l'utilisation et l'entretien à nos clients. Donc, au niveau des grilles, on se retrouve donc avec des grilles d'1,40 m, mais avec une très grande longueur. Plus la grille sera longue, plus les menus paille et les grains seront sous la force des vents, et donc on aura un nettoyage qui sera très efficace. Il y a deux types de caissons de nettoyage, c'est-à-dire que sur une Ideal 7 et une 8, nous aurons un caisson de nettoyage avec une grille supérieure qui fera 2 mètres de long, une grille inférieure d'1,80 m, et quand on passe sur une Ideal 9, là on sera sur 2,20 m de longueur de grille supérieure et 2 mètres de grille inférieure. Donc là ici, on vient adapter la capacité de nettoyage en fonction de la capacité de battage de la machine. Donc tout est en lien sur cette machine-là. Au niveau du broyeur, on aura donc deux types de broyeurs, soit le système base cut avec 4 rangées de couteaux et 56 couteaux au total, ou alors le short cut comme ici, 8 rangées et 112 couteaux. Derrière, on aura un éparpilleur qui sera soit passif, soit actif, avec ce système de turbines de chaque côté. On a un broyeur qui est sans l'éparpilleur ici et capable de répartir régulièrement la paille jusqu'à 10 mètres. Et lui, le système qu'on a ici, donc avec l'Active Spread, pourra répartir la paille jusqu'à 17 mètres. Donc 17 mètres, en France, c'est peut-être beaucoup. Par contre, sur des régions comme l'Australie ou le marché nord-américain, où ils ont des coupes qui sont très larges, il y a besoin d'avoir une répartition qui soit la plus uniforme possible. Donc ce système-là, on va venir être déporté sur les côtés du broyeur et va prendre uniquement la paille sur les extérieurs. Donc ça permettra de limiter la consommation de puissance sur ce niveau-là. Donc sur nos machines, nous allons proposer deux types de trémie. En standard, sur une Ideal 7, une 8, ce qu'on va appeler le Streamer 140. Streamer 140, donc c'est la trémie qu'on présente aujourd'hui, ça va être 12 500 litres de capacité et un débit de vidange qui sera de 140 litres par seconde. Sur une Ideal 9 en standard, nous aurons le Streamer 210. Donc 17 100 litres de capacité de trémie et un débit de vidange qui sera de 210 litres par seconde. Donc le débit et la capacité de trémie les plus importants sur le marché aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment deux systèmes qui sont complètement différents. C'est-à-dire que sur le Streamer 140, on va retrouver donc une cuve, un fond de trémie qui sera complètement différent puisque là, nous sommes avec une vis de fond unique. Quand sur un Streamer 210, nous serons sur une double vis de fond de trémie.
Au niveau des diamètres de vis de vidange et de la vis verticale, pareil, on sera sur des plus gros diamètres sur la Streamer 210 que sur la 140. Il faut savoir que la Streamer 210 est également disponible sur une 7, sur une 8 et en standard sur la 9. Par contre, sur les modèles par-level à nivellement, on reviendra automatiquement pour des raisons de sécurité sur une 12500, même sur l'idéal 9. Il y a un travail qui a été fourni également sur le fond de trémie. Donc débit qui va être réglable hydrauliquement depuis la cabine. Et on va venir agir avec des vérins sur les côtés. On va venir relever les plaques donc de chaque côté qui viennent encercler la vis pour augmenter ou réduire le débit. La particularité, c'est que l'axe est au bout et on va avoir une ouverture triangulaire pour permettre d'alimenter régulièrement la vis et progressivement. Donc la vis est réellement chargée uniquement à la fin à 100%. Donc trois modèles de moissonneuse batteuse, trois moteurs différents. Sur la 7, moteur ACO Power, 7 cylindres qui va développer environ 450 chevaux. Sur la 8, nous serons donc avec un 6 cylindres MAN de 12,4 litres de cylindré qui va développer 540 chevaux environ. Ce moteur est le même que dans le Fendt 1000 Vario. Et sur le plus gros modèle, nous aurons un 6 cylindres, toujours MAN, mais cette fois-ci qui développera 650 chevaux et 15,6 litres de cylindré. Particularité au niveau du refroidissement, c'est que pour simplifier encore les cinématiques, nous n'avons plus de tamis rotatif, mais on aura simplement cette grille au-dessus qui va venir filtrer l'air, qui va passer au travers des radiateurs, et la machine aura une séquence où elle va inverser le flux d'air. Donc pour ça, ça va être des pales réversibles, de même marque que ce qu'on va monter sur nos tracteurs, et ça va permettre automatiquement de venir nettoyer la grille. Donc c'est un système qui est très efficace, et on se rend compte qu'au niveau des démonstrations, on n'a pas besoin de venir souffler les radiateurs, et même le moteur, puisque pour que ce système fonctionne, il faut avoir un environnement qui soit entièrement cloisonné autour du moteur. Donc l'air qui va venir dans la baie moteur sera obligatoirement filtré par la grille ici. Donc gros gain de temps pour nettoyage de la machine au quotidien. Donc au niveau du convoyeur des machines, on aura deux types de convoyeurs. Sur une 7 et sur une 8, on aura un convoyeur avec trois chaînes et deux rangées de barrettes, avec une capacité de levage de 5 tonnes. Et sur une 9, nous serons avec un convoyeur à trois rangées de barrettes et quatre chaînes. Et là, nous aurons sur ce modèle-là une capacité de levage de 6,5 tonnes. Donc ça va permettre de lever les outils les plus lourds et donc d'adapter également le convoyeur et l'outil devant en fonction des performances de la machine. Derrière ce convoyeur, évidemment, on va retrouver une trappe à pierre qui va permettre de préserver les organes de la machine en conditions pierreuses. En dessous du convoyeur, on va retrouver la transmission. Donc la transmission était développée par les bureaux d'études du groupe ACO, donc la marque Valtra, qui a une expertise dans les boîtes PowerShift. Donc c'est eux qui se sont penchés sur cet élément-là. Cette boîte de vitesse va venir entraîner des roues ou des chenilles. Donc au niveau des roues, on aura deux possibilités. Soit une machine de plaine, sans nivellement, donc avec un essieu classique, ou alors comme la machine ici, par level, qui va permettre donc d'obtenir un nivellement complet de la machine jusqu'à 14%. Ensuite, on aura possibilité pour ceux qui désirent encore réduire le tassement de sol, d'avoir des chenilles. Donc ça va être des chenilles qui vont être développées et produites à Jackson. Donc Jackson qui développe et produit les chenillards de la marque, donc les MT, comme le nouveau MT 943 Vario qui est en démonstration cette année. Et cette chenille-là donc fera 2,05 m au niveau de la hauteur et trois largeurs différentes, 660 mm, 760 et 910 mm. Une chenille qui est entièrement suspendue, aussi bien sur les roues externes que sur les galets au milieu. Donc un grand confort de conduite au champ, mais également sur la route. Donc on est ici dans une toute nouvelle cabine qui est donc commune au Rogator. Cette cabine a été conçue pour offrir une visibilité parfaite sur la tête de récolte, également sur les côtés, voir comment ça se passe au niveau de la hauteur de chaume par exemple. Et à l'intérieur, on retrouve un univers qui est 100% Fendt. Donc c'est-à-dire que les clients qui sont utilisateurs de Fendt, que ce soit sur de la moissonneuse batteuse série C, sur de l'ensileuse Katana ou du tracteur évidemment, ne seront absolument pas dépaysés par l'univers à l'intérieur de cette cabine. Donc on va retrouver différents écrans à l'intérieur. Donc tout d'abord le terminal Vario 10 pouces 4 qui est bien connu.
Et ce nouvel écran qu'on a ici, donc ce nouvel écran, ce nouveau module, va permettre d'afficher donc des informations rapides comme les pertes, les jauges à carburant, la vitesse, le régime moteur. On va retrouver différentes touches ici qui seront ici pour le paralevel. On aura directement les réglages automatiques pour la coupe qui apparaîtront sur ces deux touches ici, réglage des rabatteurs et la hauteur de coupe. On va retrouver tous les réglages pour la machine, donc que ce soit au niveau de la transmission, au niveau de tout ce qui sera régime batteur, tout ce qui concerne le caisson nettoyage, la gestion du grain donc avec la trémie. À cet endroit-là, nous allons retrouver 4 touches, donc pour la coupe, pour les rotors également. Si j'emmène mon levier sur l'arrière, j'inverserai mes rotors qui disposent d'un inverseur hydraulique. Hein, ça, c'est une caractéristique qui est unique aussi. On va retrouver le 4 roues motrices, le fan de parc, le joystick qui permettra de prendre les rabatteurs, la coupe et différentes fonctions comme le suivi de sol, le guidage et ici pour la gestion en fourrière au niveau de la coupe. À cet endroit-là, on va retrouver la vis de vidange. Donc, si je donne une impulsion, la vis va s'ouvrir, une impulsion dans l'autre, la vis va se refermer. Et lors de la vidange, une fois que j'aurai fait mon clic, j'aurai possibilité de venir bouger d'avant en arrière ma vis afin de simplifier mon remplissage de benne. Nouveauté ici, c'est l'iPad. Donc cet iPad sera connecté en Wi-Fi avec la machine. Et lui, il me permettra d'agir comme un second tableau de bord. Donc je pourrai avoir toutes mes informations sur le guidage, mais également un tableau de bord personnalisable. Donc je vais pouvoir afficher différentes icônes, me faire mon tableau de bord à la carte, comme je le désire. Je vais retrouver ici mon statut de la machine, donc avec mes différents réglages, que ce soit les régimes rotor, écartement, contrebatteur, mes ouvertures de grille, etc. Je vais retrouver ici mes affichages au niveau des pertes. Et là, sur cette page ici, je verrai le flux de récolte à l'intérieur de la machine. Donc quand la machine est équipée du iDeal Harvest, elle dispose de 52 capteurs qui vont être disposés notamment de part et d'autre des rotors de l'avant jusqu'à l'arrière. Et je verrai différentes courbes qui permettront de voir le chargement de la machine au travail. Donc que ce soit aussi bien au niveau du rotor que des grilles, mais également sur le rotor de gauche, rotor de droite, grille gauche, grille droite. Donc ces informations-là seront surtout utiles lorsque la machine sera équipée du iDeal Harvest pour pouvoir se régler automatiquement en fonction des conditions du rendement à l'instant T dans la parcelle et donc simplifier encore l'utilisation de la machine pour l'utilisateur.